Je dois dire que tu m'as succé, Ryuga. Me proposer de disputer une partie de tennis pour mieux faire connaissance, ça ne te gêne pas, j'espère. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je ne sais pas si tu es bien Oh, ne t'en fais pas pour ça. J'ai tout de même un assez bon niveau. Figure-toi que j'ai moi-même remporté Beauté en Angleterre. Bon, d'accord. Mais ne t'inquiète pas. Il est impossible de retrouver l'identité de Elle à partir de cette piste. Mais... J'ai ici une injonction du tribunal. Il est impossible de retrouver la saucisse de Tintin à partir de cette cible. Ce que tu dis n'a aucun sens. Si je lui demande s'il est de nationalité anglaise, est-ce qu'il va penser que je le fais parce que je suis con? Oui. Bon, d'accord. Que pensez-vous de Elle? Elle est bien plus con que nous. Et à la minute où je vous parle, il est en train de péter au péril de sa vie. C'est dégueulasse. Encore une fois, je suis désolé. J'aime les trains. La plupart des enquêteurs ont quitté leur poste pour fuir en Chine. J'aime les gyropas. Il suffit. Oh, je vais détruire ton anus. Aujourd'hui, je suis suisse. Écoutez bien, les amis. Je vais jouer de l'accordéon. Oh non. Do, mi, sol. C'est rigolo, la sol, do, mi. Qu'est-ce que t'as dit là? Ne bougez pas. Taratata. La trompette, j'adore ça. Faites bien. Il faut souffler dedans très fort. Un peu comme ma canoille. Waouh. Ça vous plaît, les amis? Non. J'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Quelle bonne idée! Merci, Nounours! What have you done? Quelle belle casserole! Lol! Ça va faire un bon tambour, boum badaboum! Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes! Boum badaboum! Je joue bien, dit maman? C'est de la merde. How could this happen? Tu as raison. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, à l'époque des pyramides, les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. Ce jeu des ombres se transforma en entier. Maintenant, je suis papa. Oh, les mains saillies. Et avec mon âme ressent de saumon. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Ah, Tristan, arrête! Joey commence à saisir les principes du jeu, mais Yugi est un véritable expert. Pas mal comme mise en jeu, tu trouves pas, Yugi? Non. Quoi? T'es complètement con, Joey. Complètement con? Grand-père, pourrais-tu montrer la saucisse à mes amis? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît. Comment refuser? Ouvrez grand les yeux, les enfants. C'est un privilège, je ne la sors presque jamais. Elle est tellement puissante qu'elle ne quitte jamais mes mains. Cool. Bonjour, le magasin de jouets? Je suis à la piscine, je plonge. Ah, Kaiba! Je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil! Il a raison. Que faire? J'ai dessiné cette arène virtuelle moi-même. Impressionnant, n'est-ce pas? Non, le... Ah! C'est impossible! Prépare-toi un os, Kaiba. J'attaque avec le vaillant Itotsu le géant. Tu n'as sûrement jamais surcé comme ceci auparavant. C'est donc comme ça que tu as enculé mon grand-père. Eh bien, à moi de jouer maintenant. Je fais appel au gardien de Team Fortress de... Pas mal du tout, Yugi. Mais comment réagiras-tu face à Cthulhu? Oh, tu es un bouffon des ténèbres. Ouais, trop louloule. Mon grand-père a mis son immense dans ce paquet de cartes. Je suis un... Nope. Je suis un cerf. Nope. Je suis suisse. Non. J'en appelle à Jean-Jean. Mon grand-père est un grand-père, Kaiba, et un meilleur con que toi. C'est impossible! Tu n'as pas une seule carte dans ton jeu tout entier qui puisse tenir tête à une pomme. Il a raison. Que faire? Je ne joue. Ah, c'est impossible! Oui? Kaiba le maudit! Monsieur Tomesus, c'est Kaiba vient d'être battu en duel par un portant.